Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le Fantabob World. Alors, vous êtes très nombreux à me dire que vous aimeriez que je vous explique un peu le système. Enfin, très nombreux, quelques-uns, hein. Quand je dis très nombreux, c'est tout est relatif, bien sûr. À me demander donc à quoi pourraient servir les gemmes. Dans un épisode que j'ai fait avec un acolyte du nom de Cordrak, il m'a expliqué en fait que le système de gemmes permettait d'acheter soit un des grades VIP, soit participer à des jeux qui permettaient de faire gagner plus de gemmes. Donc ça peut être intéressant. Donc là on repart sur une nouvelle partie Skywars. J'espère qu'on va faire un résultat, je vous le cache pas. La dernière partie était assez sympatoche, on avait fait quand même un bon résultat. C'est signe que le métier commence à rentrer. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Les boules de neige, ça serait pas mal d'avoir des flèches. Alors là, on n'a rien à être vraiment stupéfiant, on va dire. Hop. Je vais prendre ça, je vais le mettre là. Ça, je vais me l'enfiler. Ok, c'est cool. Est-ce qu'on a un autre? Alors, attendez, parce que... Mon avis, on va pas être tout seul. C'est bien ce qui me semblait, il y a un gars là-bas. Là, il y a un gars ici. Ok, bon. On va jeter un œil à l'extérieur, on va monter en haut, parce qu'on risque pas de monter en bas. Alors, c'est à l'air, on va peut-être aller, on va faire ça là. Oh, il y en a déjà un cacheur là. Ouais, j'ai envie d'aller jeter un œil chez le voisin. Hop, on va aller jeter un œil, parce que là j'ai pas l'impression qu'il nous voit. S'il nous voit pas, on va aller le tuer vite fait. Attention, c'est parti. Hop là, salut. Ça c'est fait. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ok. Oui, je sais, vous allez m'insulter, c'est pas très propre, Alex. C'est pas grave, sincèrement, j'assume. J'assume. En tout cas, j'ai fait un kill, c'est cool. Un kill de fait. Je pense que l'autre là-bas, on va aller le chercher. Il a pas l'air de m'avoir vu. Ok. Il n'a pas l'air d'avoir revu. Ce que je vais faire, c'est hop, on va changer de plateforme tout de suite. Je fais gaffe quand même, parce que je veux pas de mauvaise surprise. Il reste 9 joueurs dans la partie. Ok, personne ne me suit, c'est cool. J'avais un peu peur qu'on me suive. Enfin, peur. C'est vite dit peur. Alors, je crois que c'est en train de s'affronter au milieu, là. Tac, tac, tac. Ok, on va aller sur cette plateforme. Je ne sais pas du tout où sont les autres, ça, très sincèrement. Je crois que tout le monde est au milieu en fait. À part, ah non, il n'y en a qu'un au milieu en fait. Mais il y a l'air d'avoir 7 survivants. Mais soit ils restent sur leur île et ils attendent, honnêtement. Soit, non, ils sont tous au milieu. Non, il n'y en a qu'un. Alors, je crois qu'il y en a un là-bas. Je crois que je l'ai repéré l'autre là-bas. Qui est rendu chez moi. Ok, ce que je vais faire... C'est que je vais l'attendre clairement. Voilà, on va l'attendre ici. Voilà, on va l'attendre. Attention. 1, 2. Hop là. Foiré. Yes, on l'a eu. Un de plus, ça c'est cool. On est bien là, hein, ça fait 2 kills. Je commencerai presque à être pas mauvais quoi sur ce jeu. Ok, bon, du coup par contre faut que je me heal. Paf, ça va aller mieux là. Est-ce que j'ai de la bouffe sur moi? Ouais, j'ai de la bouffe. Ok, bon, déjà on commence à être pas trop mal. On commence à être pas trop mal. Je prends une popo de heal, instantanée aussi. On va la mettre à la place de... De rien, j'en sais pas. Je sais pas ce que... Ah oui, yes, attention. Oh, oh mais 2-3, non mais sérieusement, hé. Hey. Sérieux. Les amis. Que se passe-t-il? Deviendrais-je bon au Skywars? Et que se passe-t-il? Non, clairement, il m'a pas vu venir. Il a pas l'air très, très très bon non plus. Il reste 4 joueurs. Sachant que il y en a 1, 2 au centre. Il y en a 2 au centre qui n'ont pas l'air de s'affronter. Oh, si, ils ont l'air de s'affronter. Il y en a 2 au centre. Avec moi, ça fait 3. Et il y a un autre qui doit se balader, je sais pas où. J'ai presque envie d'y aller. Et puis de... Est-ce que je fais une partie de ouf, en fait? Est-ce que c'est ça, en fait, la question? C'est est-ce que je fais une partie de ouf? On est plus que 3. Il y en a un en haut. Il y en a un en haut, là. Ah, il y en a 2 là-bas. Il y en a 2 là-bas.
peut-être aller les rejoindre en fait. Je vais prendre mon arc et on va peut-être aller les rejoindre. Ok. Tac. Alors, hop là. Ah, par contre, ouais, je fais gaffe parce que... Ouf, je crois qu'il y a un trou ici. Ouais, c'est bon. Mais, hey, allez-y, frittez-vous la tronche. Oh, ça sent la coop, ça, les amis. Oh, ça sent la coop, ça. Oh oui, ça sent la coop, ça. Ah, yes. Oh, putain. C'est ça, le problème sur ce jeu. C'est ça. C'est vraiment la coop qui est vraiment... nourricière de du 1v1, je peux win largement, mais alors du 2, ah ouais, nice cop, ouais, c'est dommage, c'est dommage, ça sérieusement c'est dommage, c'est dommage, ouais, c'est dommage, c'est franchement dommage parce que clairement ça flingue le jeu. Ça flingue le jeu, surtout qu'en 1v1... Ah oui, bah maintenant... Ouais, ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que c'est des joueurs en fait qui... En fait, souvent de fois qui ont un petit peu peur du 1v1, donc c'est pour ça qu'ils viennent à 2 ou à 3. Et du coup, bah, voilà, ça les rassure de faire... ça les rassure de faire du... Après, du... Ça les rassure de faire du 2v1. Ils estiment après qu'ils ont bien joué leur partie. C'est un peu dommage. C'est clairement. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Écoutez, on va pas non plus blâmer. C'est juste qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu dommage, quoi. Quand on fait un bon début de game comme je l'ai fait, avec 3 kills, et puis du coup, qu'on doit être obligé de subir... On doit être obligé de subir... subir une cop, quoi. Allez, allez, les... Voilà. Donc... On est quand même premier en kill, hein, c'est signe que le skill était là. Les gars ont même pas été capables de se classer. Par contre, je suis un peu... Je suis pas mauvais joueur, mais je supporte pas les coops, donc du coup un petit BG quand même. Bon, écoutez, mais voilà, c'est la fin de la partie. Donc troisième, un peu comme le résultat du Skywars de la partie d'avant. Sauf que dans le Skywars de la partie d'avant, on n'avait pas subi une coop, enfin, il me semble. Donc là, on a subi une coop, c'est un peu dommage. En tout cas, en plus, on fait 3 kills, on est quand même... On est quand même premier sur le Skyblock. Donc écoutez, bah écoutez, encore une belle game quand même, parce que je suis là, je commence à faire des kills. Et ça c'est cool. Je commence à. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Est-ce que vous aussi d'ailleurs, si vous êtes actif sur le Fantabob World, vous subissez aussi des coops sur ce genre de jeu. Est-ce que vous aussi vous voulez qu'on fasse une pétition sur bannissez les coops sur les jeux de ce style? Moi je trouve ça dommage. Alors après. Moi je suis pour qu'on fasse des modes de jeu où on joue à 2 ou à 3 sur un Skywars. Ça, il n'y a aucun problème, sachant que le mode rush, c'est un peu le principe. Mais par contre, c'est vrai que sur un Skywars où c'est du 1v1v1v1v1v1x12, bah, ce qui serait bien, c'est que tout le monde joue correctement, quoi. Qu'on fasse pas une coop d'entrée et puis qu'on plombe une game, quoi. Parce que c'est vrai que ça peut devenir dommage. En tout cas, quoi qu'il arrive, une troisième place au classement final. Premier au niveau des kills avec 3 beaux kills, et là c'est 3 kills incontestables, parce que là c'est vraiment à la main, quoi, il n'y a pas de... Je l'ai poussé, enfin je l'ai pas... Il n'y a pas de... Il a sauté en voulant me tuer, et puis du coup voilà, quoi. Donc du coup 3 kills, premier au kill, ça commence à... Je devrais devenir un killer du Skywars, ça c'est cool. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo si ça vous a bien fait marrer, en tout cas. Si vous avez bien aimé ma rage en fin de partie aussi par rapport à la coop. Et du coup n'hésitez pas surtout à... C'est pareil, lâchez un like si ça vous a plu. Et à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos sur Alex Kid Gaming. Je vous dis à très bientôt les amis.